le vivant, bon, on dit c'est 3,8 milliards d'années de recherche et développement. C'est voilà, tous les services qui nous permettent aujourd'hui de vivre bien peuvent être rendus en travaillant avec le vivant directement, et ça de manière complètement soutenable si on pousse les choses à l'extrême. Par contre, effectivement, ça va poser d'autres questions. L'idée, c'est pas de concevoir des innovations bio-inspirées pour concevoir des innovations bio-inspirées. C'est philosophique. On cherche à développer des visions, mais ces visions-là, on sait qu'on peut pas les mettre en œuvre là. Aujourd'hui, c'est pas possible parce que c'est tellement gros, tellement lourd, tellement compliqué. Concevoir des solutions qui sont entièrement optimisées d'un point de vue systémique, c'est quasiment impossible pour des raisons humaines et pas forcément pour des raisons logistiques, technologiques et autres. On va toujours pouvoir concevoir des systèmes qui vont nous permettre de... on va essayer d'abaisser l'impact de cette consommation, etc., sur l'environnement, mais c'est pas ça qu'il faut chercher à travailler, c'est repenser la façon dont on utilise ces technologies-là. En fait, on est dans la performance, on va pousser les choses, alors qu'en fait, il faut gérer les choses, en fait. Mais aujourd'hui, c'est trop peu, mais vraiment trop peu enseigné. Le premier enjeu va être justement de faciliter l'accès à la connaissance, qui est encore aujourd'hui énormément verrouillée. La connaissance, elle devrait appartenir à tous.